Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. J'ai vu passer une petite vidéo. Je suis abonné à une chaîne, à une page qui partage souvent des vidéos qui, en tout cas des vidéos humaines, je vais dire. Et je viens de voir une vidéo là qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touché. Alors j'ai décidé de la partager avec vous. Facebook nous permet de nous connecter et puis de nous faire des amis et puis nous donne la liberté de dire ce qu'on a envie de dire, tout et tout. Mais on peut décider d'utiliser Facebook pour apporter quelque chose à nos semblables. De la même manière qu'on apprend des autres, les autres peuvent apprendre aussi de nous. En tout cas, moi, c'est ma logique, quoi. Et donc, avant de continuer, je vais chanter notre chanson, la chanson que j'aime beaucoup. J'aimerais que vous m'identifiez à cette chanson-là. Parce que cette chanson, je trouve qu'elle dit de bons mots, de bonnes paroles pour notre pays. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Aimer notre pays, c'est participer à son élévation avec nos talents, avec nos dons, avec nos capacités, etc., etc. Il y en a qui sont docteurs, il y en a qui sont professeurs, il y en a qui sont vendeurs, il y en a qui sont enseignants, peu importe. Chacun apporte sa part à l'édification de notre pays. Mais à un moment donné, aujourd'hui, avec ce qu'on remarque sur les réseaux sociaux, et puis les réseaux sociaux étant le miroir de notre société, ça nous donne aisément ce que c'est que notre pays. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux sont une partie de ce que notre pays représente aujourd'hui ou ce que notre pays présente aujourd'hui comme visage. Les injures, le mal-parlage, le manque de respect pour les personnes âgées, le manque d'humilité, toutes ces choses-là, je ne sais pas d'où c'est venu, peut-être avec l'avènement de la crise, parce que toutes sortes de choses ont pu arriver. Aujourd'hui, notre population, je pense que nous sommes tous traumatisés par cette crise qui dure et donc, il n'y a pas eu de guérison, il n'y a pas eu de soins émotionnels. Et donc, toutes sortes de choses peuvent arriver. Mais si nous nous rendons compte qu'il y a un problème au niveau de l'éducation, au niveau de l'esprit général de notre pays, à travers des petites actions comme ça sur Facebook, on peut changer des choses. Comme je disais une fois, j'ai lu un jour le témoignage d'un monsieur qui dit que il est allé passer la nuit dans un hôtel quelque part et le lendemain matin, c'était au bord de la mer, le lendemain matin, il partait prendre une marche, comme on dit au Québec ici, il partait marcher au bord de la mer et puis il a vu un petit enfant qui était en train de jeter dans l'eau des alevins qui étaient morts sur la berge. Parce que quand la marée haute, quand ça se produit dans la nuit, La marée entraîne plein de petits poissons. Et puis quand la marée se retire, ils sont tout petits, donc ils restent sur la berge et puis ils meurent. Et donc, il voyait l'enfant là en train d'essayer de jeter chaque alevin dans l'eau. Et puis il a dit, mais tu perds ton temps parce que c'était sur toute l'étendue de tout le bord de mer là qu'il y avait ce phénomène. Donc il a dit à l'enfant, mais tu te fatigues, c'est la nature, ils vont jamais survivre. C'est comme ça, hein. Et puis l'enfant a dit, si je réussis à sauver un seul poisson par jour, je pense que j'aurais gagné. Alors, si à travers les vidéos de ce genre-là, ça peut toucher une seule personne par jour, si une seule personne peut se dire, vraiment, je trouve que je fais ça qui n'est pas bon, ou bien je fais ça qui n'est pas bon, et que la personne prend conscience, mais c'est tant mieux. Ça aura été une victoire de Facebook sur
la population, parce que c'est ce canal-là qu'on utilise pour essayer de changer, de faire changer les mentalités. C'est ce qu'on utilise, en tout cas moi personnellement, c'est ce que j'utilise pour essayer d'envoyer des messages constructifs pour notre communauté. Ainsi donc, dans nos sociétés, on voit toutes sortes de choses. Trêve de bavardage, je vais vous faire écouter la petite vidéo que j'ai vue, que j'ai beaucoup aimée, et puis on va tirer les conclusions après. Hey toi, arrête de rester planté là et viens nettoyer mon casier. T'es destinée à être une femme de ménage comme ta mère. Soudain, tout un groupe d'enfants a éclaté de rire et je me suis figée. J'ai jeté un coup d'œil en arrière, me demandant comment ils avaient pu connaître mon secret. Puis, j'ai réalisé qu'ils se moquaient d'une autre fille. Ouf, quel soulagement. Cette nouvelle école semblait très active. Et quand je suis entrée dans la classe, trois de mes nouveaux camarades n'arrêtaient pas de me fixer. Mais je les ai ignorés. Mais au déjeuner, l'un d'entre eux s'est approché de moi et m'a dit « Je suppose que ta famille est super riche, n'est-ce pas ?» Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste répondu « Non, non, ils sont plutôt normaux. Pourquoi ?» Puis il a élevé la voix « Comment oses-tu alors essayer de t'asseoir ici? C'est notre table. Bouge !» Je me suis immédiatement levée et j'ai couru vers un siège vivre sur la table du coin. C'est alors qu'un gamin m'a dit que les trois enfants riches étaient Benoît, Maria et Catherine. Il m'a dit que le meilleur moyen d'éviter les ennuis était de les éviter à tout prix, car leurs parents finançaient en gros toute l'école et que tout le monde devait donc les respecter. Mais je n'ai pas pu les éviter parce que dès le lendemain, Maria a couru vers moi et m'a dit « Pourquoi gardes-tu ta famille secrète ?» J'ai paniqué. Pourquoi m'a-t-elle demandé ça tout à coup? Puis, Catherine est apparue et a dit « Le sac que tu portais hier est en rupture de stock. Comment tu as fait pour l'avoir ?» Ah oui, elle parlait probablement de mon post Instagram d'hier. Et j'ai donc répondu « Oh, mon père me l'a acheté à Paris. » Maria a ouvert grand les yeux et elle m'a dit « Oh mon Dieu, ton père est tellement cool. Pourquoi tu ne le portes pas aujourd'hui ?» Mince, ils allaient me coincer. Je devais réfléchir vite. Mes parents ne veulent pas que je me vante, alors ils ont dit que je ne pouvais pas la porter à l'école. Maria et Catherine ont éclaté de rire et ont dit que ma famille avait l'air cool, mais bizarre. Si seulement elles savaient la vérité, ce sac n'était même pas à moi. Il venait juste d'un travail de mannequin que j'ai fait pour me faire un peu d'argent de poche supplémentaire. En fait, mes parents étaient super pauvres. Ma mère travaillait comme femme de ménage et mon père était agent de sécurité. Évidemment, je ne pouvais pas me permettre d'acheter des sacs de marque. Mais les enfants riches n'avaient pas besoin de le savoir, n'est-ce pas? Au déjeuner, je les ai vus se diriger vers ma table. Et Benoît a dit « Que font tes parents ?»« Juste, dis-nous, on le dira à personne. » Je leur ai dit que mon père était le PDG d'une grande entreprise de mode et que ma mère travaillait au ministère des Affaires étrangères. Je n'étais pas fière de mon mensonge, mais l'alternative d'être traitée comme cette fille que j'avais vu le premier jour dans cette école et je ne voulais pas ça du tout. Ils ont tous eu l'air étonnés. Et Catherine a dit « C'est logique que tu sois si jolie et intelligente. » Puis Benoît est intervenu et a dit « Mais alors pourquoi tu bénéficies d'une bourse hein ?» J'ai juste souri et gardé le silence. Je n'arrivais pas à trouver un bon mensonge et je ne voulais pas que ça aille plus loin. Je pensais qu'ils me laisseraient tranquille après ça, mais ils ont continué à m'appréhender. Et ont même commencé à me demander de les rejoindre à leur table d'enfants riches. Je ne pouvais pas dire non, mais quand ils me demandaient de sortir le week-end, j'inventais des excuses. Pas parce que je ne voulais pas me joindre à eux, mais parce que je n'avais pas les moyens de le faire. Je n'ai même pas osé demander à mes parents, qui travaillaient si dur pour économiser mes frais de scolarité. J'avais tellement peur que mes mensonges me rattrapent, alors chaque fois que je posais pour des produits haut de gamme, je postais une photo sur mon Insta. Une fois, j'ai partagé une photo de moi portant des talons super chers et j'ai commenté ainsi. « Merci papa, je t'aime. » Parfois, je passais même à la vitesse supérieure et je retouchais des photos de voyage pour donner l'impression que j'avais passé le week-end à Paris. Et une fois, je me suis même photoshopée au volant d'une Lamborghini. C'était beaucoup d'efforts, mais c'était mieux que de subir les moqueries parce que j'étais pauvre. Comme ce qui m'était arrivé dans ma dernière école. Je ne pouvais pas revivre ça. Une fois, j'ai décidé d'aller faire du shopping avec eux. Et c'était incroyable de les voir acheter tout ce qu'ils voyaient sans même réfléchir. Je ne pouvais même pas rêver d'une vie comme celle-là. Mais quand nous sommes arrivés à la boutique de sacs, Catherine a montré du doigt un joli sac et a dit qu'elle l'avait acheté hier. Puis elle m'a demandé « Tu
Tu l'as probablement déjà, non? J'ai souri et j'ai dit, oui, ma mère me l'a acheté la dernière fois qu'elle était à Milan. Mais alors, Catherine a dit, hey, ok, cool. Alors portons-le toutes les deux lundi. Tout le monde sera jaloux. Ce week-end, je me suis sentie mal. Il fallait que j'achète ce sac. J'ai décidé d'ouvrir ma tirelire, mais quand je suis arrivée au magasin, j'ai réalisé que je n'avais qu'un dixième de la somme nécessaire. J'étais tellement choquée. Qui dépenserait autant pour un sac? Pendant que j'étais là, une femme est entrée et l'a acheté sans hésiter. Pourquoi était-ce si facile pour les gens riches? J'ai décidé de la suivre, juste par curiosité, et je l'ai vue aller aux toilettes. Je n'arrivais pas à le croire. Elle a juste laissé son nouveau sac près du lavabo, puis est entrée dans la cabine. J'ai regardé autour de moi, mais j'ai vu que la voie était libre. Alors j'ai rapidement attrapé le sac et je suis sortie des toilettes. J'ai ignoré la culpabilité de lui avoir volé le sac et je suis rentrée chez moi. Je ne pensais qu'à ce qui arriverait si j'arrivais lundi à l'école sans le sac. Mais dès que j'ai atteint ma chambre, le regret m'a rongée. Est-ce que j'irais en présence s'il le découvrait? Mes parents me tueraient. Le lundi matin est arrivé. Et j'ai fièrement porté mon nouveau sac à l'école. Benoît, Catherine et Maria ont été très surpris et m'ont dit que j'avais la version en édition limitée qui coûtait deux fois plus cher que la version originale. Ça m'a poussée à culpabiliser encore plus, mais d'après les regards que j'ai reçus toute la journée, ça en valait la peine. Tout le monde me voyait comme l'une des enfants riches maintenant. Bientôt, ce seraient les vacances d'été. Et Benoît a dit qu'il avait une maison de vacances à Hawaï et a suggéré que nous partions tous ensemble pour une semaine. Je ne pouvais pas me permettre ça. J'ai menti en disant que je devais aller à Paris avec mon père pour un événement spécial. Mais Catherine a dit que ses parents étaient absents et que nous pourrions faire une fête chez elle ce week-end. Elle a suggéré que nous nous habillions et a dit qu'elle était impatiente de voir les vêtements que je portais en dehors de l'école. Oh non, je redoutais ça. Benoît a dit qu'il viendrait me chercher à la maison et qu'il m'y conduirait. Mais je lui ai dit de me retrouver plus tôt à l'école parce que mes parents étaient très stricts. Oh mon Dieu, tous ces mensonges m'épuisaient. Mais je ne pouvais pas les laisser voir ma vieille maison délabrée. Surtout que j'avais menti en leur disant qu'on vivait dans une villa avec une piscine et un terrain de golf. Mon mensonge devenait un gros problème. Je veux dire, où est-ce que je trouverais une robe? Je suis restée allongée à m'inquiéter. Et soudain, j'ai entendu mes parents parler dans leur chambre. Ma mère disait qu'elle avait finalement économisé assez d'argent pour m'envoyer à l'université et demandait à mon père s'il pouvait le déposer à la banque demain car elle devait travailler à une fête. Puis elle a dit qu'elle avait gardé l'argent dans son placard pour le mettre en sécurité. J'ai réfléchi à tout ça pendant un moment. Je veux dire, l'argent était pour moi de toute façon. Alors, quel mal y aurait-il à le prendre maintenant? Le lendemain matin, je me suis faufilée dans leur chambre, j'ai pris tout l'argent et je me suis précipitée au centre commercial pour acheter une magnifique robe violette et des chaussures brillantes. C'était vraiment la vie que je méritais. Après ça, j'ai pris un Uber pour aller à l'école où Benoît, Catherine et Maria sont venus me chercher. J'avais un million d'appels manqués de mon père et ma mère, mais je les ai ignorés et j'ai éteint mon téléphone. Je voulais juste profiter d'une journée entière à vivre comme un vrai enfant riche. Benoît nous a conduits vers les Hamptons Country Club. Mais je ne pouvais pas le croire. La famille de Catherine possédait cet endroit. Waouh! Quand nous sommes arrivés, un valet est venu. Mais Benoît a été si grossier avec lui, il lui a crié dessus et lui a dit « Écoute mon pote, cette voiture a coûté 4 millions de dollars. Si tu laisses ne serait-ce qu'une petite marque, tu vas le payer pour le reste de ta vie. » Je me suis retournée pour voir la réaction du voiturier, puis ma mâchoire a failli toucher le sol. C'était mon père. Il m'a vu et a eu l'air surpris. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, nous sommes partis. On a traîné un peu au country club. Puis le soir, on est allé chez Catherine. Sa maison était juste incroyable. Elle avait un terrain de tennis, son propre cinéma, et ne me demandez pas combien de voitures sa famille possédait. Nous nous sommes assis pour manger dans la salle à manger. Et je ne plaisante pas, il y avait quatre femmes de chambre qui attendaient pour nous servir. Nous avions chacun la nôtre. J'étais trop occupée à être choquée pour remarquer ma bonne qui s'avançait vers moi. Mais j'ai entendu une voix familière. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Maman ?» J'étais horrifiée. La fête dont elle avait parlé hier, c'était celle-là. Oh non, c'était un désastre. Catherine a eu l'air surprise et a dit « Tu la connais ?» Alors j'ai dit « Oh, elle travaillait comme une femme de ménage chez nous. » Ma mère a eu l'air écrasée et a dit « Une femme de ménage ? Comment tu peux dire ça ?» Alors Catherine s'est énervée et a dit « Ne t'avise pas de parler à mon invité comme ça, hors de ma vue. » Ma mère s'est enfuie presque en larmes. Et pendant le peu de temps qui a suivi, Benoît et Maria l'ont aussi horriblement traitée.
Benoît lui a même demandé de nettoyer ses chaussures et Maria a renversé de l'eau gazeuse sur ma mère quand elle nous servait. Ma mère a été traitée comme ça à cause de moi. Je pouvais voir qu'elle était vraiment bouleversée et elle a accidentellement fait tomber de la sauce sur la robe de Catherine. Et alors Catherine a perdu la tête. Elle a poussé ma mère et a crié « T'es folle? Tu sais combien ça coûte cette robe ?» Eh bien, il fallait que ça s'arrête. J'en ai eu assez. J'ai couru vers elle et je l'ai aidée à se relever. « Maman, tu vas bien ?»« Maman ?» Catherine, Benoît et Maria ont tous crié. Alors j'ai dit « Oui, c'est ma mère. Et comment t'oses la traiter comme ça ?» Les larmes coulaient sur mes joues et je me sentais terriblement humiliée. Inutile de dire qu'ils m'ont mis à la porte et que Catherine nous a même jeté quelques billets de 10 dollars en disant « Allez, prenez-les, retournez dans votre maison en ruine, vous empestez notre air. » Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était exactement comme ça qu'ils avaient traité cette fille lors de mon premier jour d'école. Je n'avais pas d'autre choix que de dire la vérité à mes parents. Que j'avais menti à tout le monde, volé le sac et même volé leur argent juste pour pouvoir prétendre être riche. Je n'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Surtout après tout ce que mes parents avaient fait pour moi. Ça a pris du temps, mais ils ont fini par me pardonner. Et nous avons déménagé dans une petite ville à la campagne pour que je puisse recommencer dans une nouvelle école. Je ne voulais plus jamais revoir ces enfants de riches. Maintenant, je travaille dur pour finir l'école et économiser assez d'argent pour l'université. Et j'ai réalisé qu'être riche ne me rendrait pas heureuse. Ma famille est peut-être pauvre, mais ce sont les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Et ça, ça se n'achète dans aucune boutique de créateurs. Et voilà, une belle petite histoire, mais qui dit combien nous sommes envieux, combien aujourd'hui nous aimons paraître. Regardons seulement les make-up. Il y a des choses qu'on montre sur les réseaux sociaux, des vidéos où une personne qui est défigurée, moi je peux comprendre que peut-être pour elle-même on puisse faire ça. Mais qu'on montre le visage d'une femme, et puis quand on a fini le make-up, c'est une autre personne. Ça démontre comment aujourd'hui nous aimons paraître. Et c'est cette société-là dans laquelle nous sommes. On ne demande pas aux gens de se montrer vilain ou laid ou sale, mais il faut être au lieu de paraître. Les enfants à qui nous donnons la vie, si nous avons eu la chance d'avoir les moyens, apprenons-leur à respecter ceux qui sont modestes. Ça commence chez nous à la maison, avec les servantes, et je vais dire les boys, etc., etc. Si nous démontrons à nos enfants que les servantes sont des moins que rien, que les servantes sont les dernières de la société, qu'on peut leur faire tout ce qu'on veut, nos enfants ils vont grandir avec ce sentiment. Mais quand tu te comportes avec la servante comme un être humain que tu respectes et que tu apprends à tes enfants à la respecter, à l'appeler tanti, moi mes enfants ils appelaient mes servantes tanti. Le respect, l'enfant commence avec ça à la maison. Ou bien des parents viennent du village et puis ce sont eux qui deviennent les boys à la maison. Ce sont eux qu'on maltraite devant nos enfants. Nos enfants, ils emboîtent le pas. Et ces enfants-là, sans se rendre compte, on ne leur rend pas service, on leur fait du mal pour demain. Parce qu'on leur donne l'impression qu'ils sont au-dessus des autres, alors que personne n'est au-dessus de l'autre. Tu peux avoir tes millions dans ton compte bancaire, tu es un être humain comme les autres. Quand on te coupe là, c'est du sang qui sort. Donc il faut qu'on apprenne à nos enfants à se respecter, à respecter les autres, à respecter ceux qui travaillent chez eux. La domestique, la servante, la femme de ménage qui est chez toi là, elle prend cet argent là pour nourrir sa famille. Elle ne vole pas, elle travaille. Mais si elle n'est pas là, qui va faire ce dont tu as besoin? Ces enfants de riches là qui mangeaient puis il y avait les servantes autour d'eux là. Si les servantes n'étaient pas là, qui allait les servir? Donc, c'est nous, les parents, qui devons inculquer certaines choses à nos enfants. Faisons notre part. L'enfant, même si à un moment donné, il doit se laisser influencer par les autres, la base qu'il a reçue va lutter. Il va avoir quand même quelque chose en lui qui va faire qu'il ne pourra pas faire à 100% comme les autres. Il faut que, dans notre façon d'enseigner certaines choses à nos enfants, on leur apprenne à se respecter. Parce que celui qui respecte, il respecte l'autre. Ces enfants-là, c'est parce qu'ils n'ont aucun respect pour eux-mêmes qu'ils ne respectent pas les autres. Arrivés à l'école,
de riches, et puis voir les autres enfants, et puis leur dire que leur mère est femme de ménage, et puis s'en moquer. Mais c'est parce que les parents, ils traitent les femmes de ménage comme ça. Et donc, cette jeune fille, elle avait honte de sa situation. On va dire qu'on peut comprendre quand tu vas ta vie dans une école de riches, que tu vois que les enfants, les autres enfants ont tout. Ils ont tout. Ça peut te donner envie. Mais on est comme ça. Moi, j'ai jamais envié qui que ce soit. Et donc, cette façon d'être là, j'essaye d'être comme ça dans tout ce que je fais. Plus tu as une certaine humilité, tu respectes les autres et tu leur donnes la valeur dont ils ont besoin. Parce que tout le monde a besoin d'être considéré à sa juste valeur. Et cette petite, elle est rentrée dans un labyrinthe, dans un chemin sans fin. Et elle, vous voyez tout ce qu'elle a eu à faire pour paraître, pour ne pas être la personne qu'elle était, parce qu'elle avait honte de ses parents. Mais si tes parents, ils sont charbonniers, ce sont tes parents et ils t'ont donné la vie. Et ils t'éduquent, ils te donnent ce qu'ils peuvent te donner. Donc vous voyez, c'est ce petit clin d'œil-là que j'avais envie de faire. On peut faire ce genre de petites capsules-là pour s'entraider. Parce que nous avons tous besoin d'éducation. Moi-même, à mon âge-là, je découvre encore des choses. Je découvre encore des comportements qui ne sont peut-être pas bons. Donc Facebook doit nous aider à nous entraider, à nous permettre de nous améliorer chaque jour. Et donc, tu es pauvre, tu es pauvre. Si tes parents sont pauvres, ce que tu peux faire, c'est quoi? De travailler fort à l'école et tout, mais tu ne vas pas rester pauvre éternellement. Si tu n'envies personne, tu vas rester tel que tu es. Tout le monde ne peut pas être riche dans cette société. Tout le monde ne peut pas être riche dans cette société. Et comme la jeune fille l'a dit, quand elle a compris ce qu'elle a dit, ce n'est pas la richesse qui rend heureux, mais c'est la famille. Et comment on appelle ça, ceux avec qui nous sommes, qui nous aiment et que nous aimons, c'est ça qui est le bonheur. Mais c'est bon d'avoir les moyens. Si on a les moyens d'acheter de beaux habits à nos enfants, mais il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça soit un handicap pour nous et qu'on essaye de paraître, même à travers nos maquillages là, on change complètement. Tout ça là, ça fait partie du faux dans lequel nous sommes. Nous avons de longues perruques aujourd'hui, de faux ongles, de faux cils. On se pique dans la bouche pour avoir de grosses lèvres. On fait tout pour avoir de grosses fesses, de gros seins. Tout ça, c'est pour paraître. D'abord, on se fait mal. On fait du mal à notre organisme. Mais on fait du mal à notre amour propre. Parce que toi-même, au fond de toi, tu n'es pas satisfait de ça. Et quand tu viens avec tes faux cils, là, toi-même, tu sais que c'est faux. Ceux qui sont en face de toi, ils savent que c'est faux. Et puis tout le monde embarque dans ce faux, dans ce mensonge. Ah, ma fille, tu es jolie. Entre-temps, on sait très bien que les cils que tu as mis là, ce sont des faux cils. On sait que les ongles que tu as mis, ce sont des faux ongles. On sait que tes cheveux, ce sont des faux cheveux. On sait que tes fesses, ce sont des fausses fesses. Tes seins, ce sont des faux seins. Mais tout le monde embarque dans ce mensonge parce que, oh, tu es jolie, ma copine, tu es jolie. Mais pourtant, tu sais que ce qu'elle a mis là, c'est pas vrai. Mais tu peux pas non plus aller lui dire que c'est faux. Bon, donc, en ce moment, abstiens-toi de dire que c'est joli. Si tu ne peux pas l'insulter, ou même tu ne peux pas la frustrer devant les gens, abstiens-toi de dire que c'est joli. Moi, quand je vois ce genre de choses, je ne dis pas que c'est joli. Je ne peux pas dire ça, parce que je sais que c'est faux, donc je ne dis rien. Pour ne pas mentir, pour ne pas me trahir, ou même pour ne pas m'insulter moi-même, je préfère me taire. Donc, essayons, à travers ces petites choses, ces petites capsules-là, d'amener les gens à s'accepter tels qu'ils sont, à être des personnes naturelles et puis à accepter le travail qu'ils font. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai fait un certain travail ici. Il y en a qui se sont moqués, mais ça, c'est leur problème. Moi, je n'ai même pas de problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais ça m'a permis d'enseigner à des gens d'apprendre à aimer le travail qu'ils font. Tu es une femme de ménage, mais tu es une femme de ménage. Mais il faut être fier de ton travail. Tu vis dans un deux pièces, mais dis aux gens que tu vis dans un deux pièces. T'es pas obligé de faire croire que tu vis dans un palace alors que tu vis dans une deux pièces pour faire plaisir à qui? Tu mens, mais toi-même, ça te fatigue parce que ton âme même n'est pas en paix avec toi. Alors donc, apprenons à être au lieu de paraître. Si tu es, apparais aux gens comme tu es. Le travail que tu fais, bon, tu n'es pas obligé d'en parler, mais t'es pas obligé non plus de mentir sur le travail que tu ne fais pas et que tu veux faire croire aux gens. Il y a 2 ans, j'étais à Gatineau, je travaillais, je faisais du ménage. Et il y a une dame qui m'a rencontrée un jour. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire mes vidéos pour montrer le travail que je fais. Et elle était surprise de me voir dans l'habit là, en train de
au Walmart. Elle m'a dit, mais tu fais quoi là? J'ai dit, mais je travaille ici. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai dit, j'ai fait. Elle dit, quoi? Mais mon fils qui t'admire, franchement là, je ne peux pas lui dire que tu fais ce genre de travail. J'ai dit, pourquoi? Mais il t'admire tellement que il serait choqué de savoir que tu fais ce genre de travail. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais pitié pour toi, madame. Mais je plains cet enfant, tu l'as élevé comment? Pour que lui, il ait honte de quelqu'un qui fait du ménage. Qu'est-ce que tu as appris à ton enfant? C'est incroyable. Et c'est à partir de là que j'ai commencé maintenant à faire les vidéos pour dire, bon, voilà le travail que je fais. J'en suis fière. Je fais mon travail avec honnêteté, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humeur, beaucoup d'humour. Et quand je rentre à la maison, je suis fière de moi parce que j'ai travaillé, j'ai payé, je paye. Quand on me donne mon salaire, je le reçois, je prends, je paye mon loyer, je paye mes factures, je tends la main à personne. Donc, nous avons besoin tous d'éducation. Donc, vous voyez, une telle maman, un parent comme ça qui dit, mais je ne peux pas dire à mon enfant que tu fais ce genre de travail, parce qu'il va être choqué. Et il y a des gens au pays aussi qui ont dit, ah, mais vraiment, pourquoi elle fait ça? Vraiment, moi, je trouve que c'est humiliant, mais moi, je ne trouve rien d'humiliant dedans. Donc, apprenons à être vrai dans tout ce que nous faisons. Apprenons à donner notre vraie nature aux gens. Apprenons à être ce que nous sommes en réalité, et ça va déteindre sur nos enfants, ça va déteindre sur notre société. Si chacun fait sa part, que chaque matin tu te lèves, que tu essaies de jeter le poisson dans l'eau, si tu réussis à sauver un seul poisson, tu auras gagné ta journée. Alors si ces petites capsules-là permettent à chacun de revoir son attitude ou de revoir sa façon d'être, si ma façon de me présenter à vous, aussi naturelle que possible, ça peut vous influencer, vous, à vouloir être comme ça. Je suis sûr que j'ai gagné ma journée. J'ai gagné mon salaire devant Dieu. Donc, essayons-nous tous de participer à ça pour que le faux, là, ça sorte de nos vies. Le make-up exagéré jusqu'à... De Chantal, on passe à Martine. Vraiment, il faut qu'on efface un effort pour changer ça parce que tout ça, là, ça va ensemble. On est une société de menteurs aujourd'hui. On est une société de personnes qui paraissent aujourd'hui. On est une société de personnes qui sont fausses, fausses jusqu'à, c'est incroyable. Mais parce que de façon collective, on applaudit ça et on encourage ça sans le savoir. Quand on apprécie ça, c'est parce que on encourage ça d'une certaine façon. Donc voilà la petite vidéo que je voulais vous présenter. Ceux qui ont pris en marche, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Vous pourrez repasser pour écouter la petite vidéo que j'ai présentée pour que nous apprenions à être qui nous sommes, pour que nous apprenions à enseigner à nos enfants à être ce qu'ils sont. Parce que moi, partout où je suis, c'est comme ça que je suis. De toute façon, vous me voyez là, c'est comme ça que je suis. Je suis drôle, je suis sérieuse, je peux être critique et tout, mais je peux être tranchante aussi. Donc, en fonction de l'éducation que tu as reçue, en fonction de ta nature personnelle, tu peux influencer les autres positivement, tu peux impacter les autres positivement. Et qui peuvent avoir l'envie de te ressembler. Donc, que chacun, à notre niveau, nous essayons de revoir nos façons de faire. C'est pas grave. Si on avait cette façon de faire là avant, prenons conscience que c'est pas bon de rabaisser les servantes. Ce sont des êtres humains. Ce sont des gens qui essaient de gagner leur vie en fonction de la situation où ils sont arrivés. Essayons d'éviter de minimiser le gardien, celui qui nettoie quelque part là-bas, la femme qui balaie dans la rue qu'on voit. Essayons d'éviter de les minimiser parce que ce sont des êtres humains comme nous. Nous avons peut-être eu la chance d'être là où nous sommes, d'avoir la situation sociale que nous avons, d'avoir les études que nous avons pu avoir. Il y en a qui auraient bien voulu être à notre place, mais ils n'ont pas pu. Alors essayons sans forcément, je sais pas moi, on ne demande pas d'aller laver les gens dans les rues quand tu les vois, mais il faut leur donner leur respect. Parce que tout le monde a besoin de respect. De la même manière qu'on aimerait qu'on nous respecte, respectons les autres comme ça et faisons l'effort d'être des personnes vraies. Enseignons ça à nos enfants. Enseignons-leur à apprendre à être humbles. Même si nous sommes le PDG de, je sais pas moi, de la planète, même si nous avons 50 000 avions dans nos maisons, même si nous avons 50 piscines dans nos maisons, apprenons à nos enfants à respecter ceux qui lavent les piscines. Apprenons à nos enfants à respecter ceux qui lavent les toilettes. Apprenons à nos enfants à respecter ceux qui lavent leurs draps, ceux qui leur font à manger, ceux qui gardent leur maison, ceux qui les conduisent à l'école, etc., etc. C'est nous, en tant que parents, par nos actions, par nos façons de nous comporter, ça peut amener les enfants à copier. Mais si nous tapons sur nos gens de maison, nos enfants, ils vont faire la même chose. Je vous aime très fort. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Sois l'exemple.
pour ta communauté dans tous les domaines. Je vous aime très fort. Et la Côte d'Ivoire de demain aura besoin de personnes qui réfléchissent d'une autre façon. L'Afrique de demain aura besoin de personnes qui réfléchissent d'une autre façon. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir créer la société à laquelle nous aspirons, à laquelle nous rêvons. Ce n'est peut-être pas le paradis, mais tranquillement, si on réussit à sauver un seul poisson par jour, un seul poisson par jour, ça va bien aller. Bye.